Salut à tous et à toutes, c'est Josh d'Exom, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Donc là, c'est une petite vidéo. Donc comment se faire un tuto. Ouais, comment se faire une petite maison assez stylée. Et qu'on peut surtout faire en très peu de temps avec pas énormément de ressources. Déco aussi. On va parler déco. C'est la base de la base. Hein. Il n'y a rien de très compliqué. Ouais, non, attends. Il y a un des principes assez simples de la construction pour des maisons. Vous mettez les bords en bûche. Comme ça fait assez stylé. Ça fait des piliers. C'est plus joli, c'est un côté comme ça. Wow. Tout le monde le fait. Hein. Voilà. Mais pas trop de haut, là, c'est trop. Je mets 5, ouais, mais comme ça, c'est 4, ça suffit. Hein. Allez. Voilà. Bien sûr, ce sera un tuto. On fera notre propre maison, mais après, ce sera à vous de faire la vôtre. Nous, c'est juste des idées. C'est là, oui. Là, si vous avez compté, j'ai fait 5 ici et 4 sur les autres. Vous allez voir pourquoi. Donc, après, vous rejoignez toujours avec du bois. Voilà. Toujours des bûches. Ouais. Moi je prends du chêne parce que voilà, ça rend mieux pour le chêne. Je trouve que c'est le plus joli. Personnellement, ça rend mieux pour une maison. Moi, je crois. Voilà. Ouais, c'est clair. Voilà. Mm-hmm. Je me suis trompée. Là, vous remettez une couche comme ça de bois. Mm. Donc, vous voyez, ça coûte un peu de bois. Bon, c'est aussi une maison que vous pouvez faire en créa. Bon, normalement, je fais des plus grandes dimensions. J'ai fait trop petit. Le fait de faire une maison avec peu de ressources, c'est surtout pour les faire en survie au final. Ouais. Bref, donc là, on vous la structure et après, on vous fera un petit peu de la déco quand même parce que c'est bien la déco. C'est vrai que c'est mieux. Non, la déco, c'est sûr que ça rend une maison plus jolie. Bon, alors je me suis totalement fail. Mais c'est bien, ça c'est pas. Franchement, c'est bien. Normalement, là, normalement en fait, il y a plein de blocs sur les côtés. Mais... Là, vous avez un panorama. Voilà. Normalement, je fais des trucs comme ça, plus grands sur tous les côtés, mais là en fait, j'ai pas fait assez. Donc là, il y aura la porte. C'est grand, c'est... En fait ce sera une toute maison tout petit, bah, très haute surtout. Non, haute, bah c'est utile d'avoir des hautes maisons. Si c'est ça, et pas les blocs voilà. Ouais. Alors il y en a qui ont du vert. Moi je les glass panes, franchement, c'est plus joli les glass panes. Non, les glass panes. Il y en a qui vont mettre ça. Voilà, vraiment ça. Moi, je préfère largement les glass panes, surtout que c'est beaucoup moins coûteux. Ça fait plus de déco, ça. C'est plus déco, ça. Voilà. Reporte. Bon, j'ai la flemme de me la crafter. De manière, on est en créa. On va pas se la crafter. Hein. Ah oui, on est en créa. Ouais, moi, je l'avais toujours par l'extérieur parce que comme ça, c'est comme ça. Oui, c'est beaucoup plus joli, je trouve. Il y en a qui peuvent la mettre à l'intérieur, mais. Comme ça, moi, je trouve ça moche. Après, j'ai bien ses avis. Hein. Voilà. Perso. Voilà. Alors, ce que j'aime bien faire tout autour pour rendre ça joli, il faut des escaliers. Non, c'est pas. Je suis tombée. Hop. Moi, je préfère mettre des escaliers tout autour. Je trouve ça rend encore mieux. Après, je trouve ça moche. Bon, si vous savez vous faire voir. Non, je regarde, mais franchement, moi je préfère avec les escaliers. Et bien sûr. Une demi-dalle pour l'entrée. Donc là, on a une maison. Attends. De quoi, toi? J'ai fait un petit truc. Ah, après. Alors là, si j'arrive à refaire mon toit. Parce que j'avais fait un bête de toit la dernière fois. Ça m'étonnerait que j'arrive à le refaire. C'est
c'était pas ça. Bref. Ça devait être à peu près ça. Bon. C'est ça. Tu fais quoi là? C'était pas ça, bon, c'est pas grave. On va remettre ça ici. Oh là là. N'importe quoi. Bref, vous avez compris, vous faites un toit comme vous voulez. Je suis pas pro des toits, moi, alors pas du tout. J'ai dû mettre des escaliers. Voilà. Ah voilà. Je mets des escaliers, franchement. Mais bon, ça fait style. On va faire. Donne. Ah, je vais faire un petit truc. Alors, soit vous mettez des escaliers, soit vous remettez des blocs comme ça. Non, non, ça c'est moche. C'est moche. Oui, mais moche. Ça. Voilà. Ouh. Merde. Que veux-tu faire? Tu ne serais pas ma maison. Non, t'inquiète. Alors, j'ai pas les mêmes commandes. Donc, je suis pas d'utiliser ces commandes-là. Donc, par contre. Tu veux quoi? J'ai juste pas le mode créa. C'est où les barrières? C'est là-dedans. Ah oui, c'est là. C'est là. Merci. Okay. Qu'est-ce que tu veux faire? Mince. Oh, ok, je crois que j'ai compris. Ah oui, ok. Je trouve, ouais. Je trouve ça, personnellement, je trouve ça assez joli. Comme ça, vous faites une petite entrée comme ça. Ouais, vous pouvez mettre un panneau, par exemple, pour signaler que c'est votre maison. Moi, je trouve ça assez joli. Oui, on va mettre ce qui est au-dessus là, de ce que je viens de faire là. On peut même faire des trucs comme ça aussi. Non, c'est moi je le trouve. Enfin, après, c'est une question de goût. Mais... Là, tu peux même mettre en bois là. Enfin, en bûche. Ouais, exact. Ah, bah voilà. Voilà. Bon, bref, je te propose qu'on passe à la déco. Hein. Ouais. Ah, c'est moche. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est petit. C'est petit. C'est cool. Ah oui. Le classique, c'est de mettre des têtes de craft à l'entrée. C'est assez, ouais, connu. On met un seul en quoi? Moi je le fais en. Bûche blanche. Non, en. Non, mais au chaussure du. Ça, parce que. Ouais, bon, en fait, le sol, vous le mettez en T en ce que vous voulez. Moi je vais le mettre en comme ça. On s'en fout là. Wood blocks. Vous allez voir pourquoi je l'ai sauvé. Pour la table de craft. Ça m'a déjà compris, voilà, fallait laisser le suspense. Par suspense. J'ai dit juste avant, la table de craft, c'est un classique. Alors après, vous pouvez mettre sur les côtés, vous pouvez mettre des escaliers, regarde, mets les escaliers sur les côtés. Oui. Je connais, j'espère. Non. Sur les coins. Ah, ça. Non. Ouais. Tiens, je mets. Ça fait un espèce de canapé. Ah, si, ouais, vous avez plus d'espace, vous pouvez faire comme dans les maisons de PNJ. Mettez une barrière au-dessus, une plaque de pression en bois, ça fait une espèce de petite table. Vous pouvez faire aussi. Ouais. Vous prenez. T'as une petite musique de Minecraft. Pourquoi je ne trouve pas? Trouve plus. D'accord. Ça. Fais demander. Non, mais me le mets pas par terre. Voilà. Donc après, normalement. Bouge, t'enlever mes escaliers. Ah, vous mettez genre. Vous pouvez mettre ça. Vous pouvez mettre.
Maintenant, on peut mettre des pousses d'arbres, des fleurs, ça, des champignons. Ça, 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 ça. Et même ça. Et même ça, mais ça, on va pas le mettre. Bon, alors, ce qui... On va mettre ça pour donner, ouais. Donc, des planches. Hop. Hop, je vais montrer aussi un peu ce qui est stylé après pour la lumière aussi. Alors les torches dans une maison c'est pas très joulu je trouve, sauf si vous voulez donner une ambiance Moyen-Âge. Là je vous conseille de mettre de la glowstone au plafond. Par exemple si vous pouvez mettre une espèce de lustre, vous mettez une barrière, vas-y prends la barrière. Ah ouais les lustres, oh ça c'est sympa. C'est bien les lustres. C'est sympathique. Voilà, pas de barrière. T'as fait quoi? Ah ok j'ai compris. Dégage. Mais non. Oui j'ai enfoncé ma touche. Donc là voilà, je fais un truc comme ça. Là vous pouvez mettre non pas une torche. Tu fais quoi? Je sais pas. Non, je vais essayer un truc mais non. Non non ça marche pas. Non mais je suis. Tu cherches de la glow. Non. Ouais, mais. La glow, c'est coûteux. On a dit, hein, faire un truc. Non, franchement, c'est pas coûteux. Très coûteux. Bah, faut aller dans les heures. Hein. Et pour un début. Bah, déjà, faut avoir plein de bois. Et pour ça, faut être avancé. Voilà. Parce que moi, ce que je voulais pas du tout vous montrer ça. Moi, je voulais vous montrer ça, tu vois. Ça fonctionne surtout avec les packs de textures, ça, en fait. Ce que je veux vous montrer. Faut des bons packs de textures. Hein. Ah, tu vas en fait, surtout. Oh, bah dis. Fais des sortes de lanternes. Ça fait des lanternes. Bon, après, je vous. Aime pas, comme d'hab. Hein. Voilà, vous en mettez un peu où vous voulez. Oh, tu veux pas mettre plein? Faut bien que ce soit éclairé, hein, parce que les spawns des monstres. Tu dois connaître spawn monstre? Non, je rigole. Ensuite, qu'est-ce que je voulais? Mets des trappes sur les côtés là. Ça? Ouais, bah, ah oui! Voilà, comme ça. Mais en fait, on aurait pas dû. Ouais. Pour les canapés, mets des escaliers. Ah, des canapés, des panneaux sur les côtés. Après, je vais vous montrer comment faire. Genre, il y a une télé, mais en fait, il n'y a pas assez de place, donc je vais faire ça dehors. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, attendez, si je retrouve le trou que je voulais mettre. Ah, après, je vais. Bon, bah voilà, c'est bien une petite maison aménagée. Hein. Bon, t'as des idées, toi? Là, tu peux déjà, comme j'ai dit, tu peux mettre les. Ah, attends, deux secondes. Les panneaux sur les côtés des escaliers, ça fait des canapés. Donc ça, ouais. C'est joli. Ok, vous voyez, donc là, je vous ai fait la base. Une petite maison stylée. On va faire une ellipse. Une ellipse. Attends, pas maintenant. Et je vais vous montrer un truc. Ok, ellipse. Bon, alors voici une petite truc déco. Au final assez rapide à faire, hein. C'est pas une très grande construction. Donc, par exemple, vous pouvez mettre des cadres. Mais là, c'est vraiment si vous avez des ressources. Hein. Des cadres, ça fait assez stylé, un peu stylé. Donc, là, c'est la maison. Donc là, c'est. Alors, là. Donc, une petite ferme comme ça, tranquillou. Après, hop. Pour descendre en mine, planquer un peu tout ça. Ça fait plus joli. Plantation ici dans une salle à part, c'est quand même plus sympathique, sympatoche. Ensuite, donc une vraie maison, voilà. Voilà, vous cachez un peu tout ça par les lierres, ça fait stylé. Stylé. Une cheminée, coffre comme ça. Ah, mal pour les génies,
vous pouvez mettre de la netherrack et l'enflammer. Ouais, mais donc c'est la pierre du nether. Et donc, tu vas le faire parce que c'est en bois à côté, du coup ça a tout brûlé. Ouais, voilà. C'est comme ça vous avez flamme en illimité. La fameuse télé avec canapé, on va aller sur le canapé. Donc voilà, comme on a dit, regarde les. Montre les panneaux sur les côtés. Voilà, il y a des panneaux. Là, un bar. Cuisine style américain. Là, four. Sourceau, coffre. Un petit truc détente. Toujours bien. Se reposer, se relaxer après une lourde journée de travail. Un petit fluffy qui vous suit partout. Alors là, c'est vraiment les riches. Hein. Ils dorment à la belle étoile. Bah voilà. Ça, c'est stylé, table de chevet. Hein. Voilà, petit jardin. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On va se quitter avec un magnifique paysage. Attendez. On se quittait tout en haut de la tour. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu, de la liker également, de la commenter ou de la partager. C'est des actions très simples pour vous, hein. Un petit clic suffit. Mais pour nous, c'est beaucoup plus important. Deux clics, abonne, like. Et deux. Sauf si vous êtes déjà abonné. Voilà. Non, donc voilà, on se quitte en haut de la tour comme on a prévu. Avec... Bon, il est 11h là à peu près. Sur cette belle vue d'un très beau marais. 11h dans le jeu. 11h dans le jeu, ne vous en faites pas. Oui, bien sûr. On se quitte sur ce très beau marais. Voilà, comme ça. Et à la prochaine, salut.